C'est un grand plaisir pour moi. Comme toujours, au début de chaque année, je me retrouve au même endroit pour renouveler notre partenariat avec Fofolpou qui nous lie depuis 2007. Effectivement, l'année 2023 a été beaucoup plus difficile pour le travail humanitaire qui s'appuie énormément sur la logistique. Avec les axes routiers bloqués vers le nord et vers le sud, et l'insécurité qui se propage dans les provinces qui étaient relativement paisibles, servies devient un facteur très lourd. Nous avons dû nous tous s'adapter à la nouvelle donne pour mener à bien notre travail. Je voudrais ainsi saluer le travail acharné de l'équipe dirigeante de Fofolpou Haïti qui n'a ménagé aucun effort pour mener à bien leur mission humanitaire et apporter l'aide aux familles les plus nécessiteuses. Ce qui a aussi permis à l'aide taïwanaise d'arriver dans les mains des plus démunis. Nous sommes réconfortés de constater que plus le défi est grand, plus Fofolpou est à la hauteur des attentes. Je suis aussi heureux de voir que notre coopération dans le domaine de la production et la vente du riz dans le sud du pays porte ses fruits. Les riziculteurs encadrés par la mission technique taïwanaise avec le soutien financier de Fofolpou ont réussi pour la deuxième année consécutive à être inclus dans les fournisseurs du programme national de cantine scolaire, qui est un projet financé par l'Agence française de développement. Ces producteurs de riz ont maintenant la double casquette de producteurs et commerçants de riz, ce qui augmente substantiellement leurs revenus et nous sommes confiants que ce modèle peut être répliqué pour le bien-être des producteurs. Pour cette année 2024, notre partenariat avec Fofolpou est renouvelé avec un don de 8240 tonnes de riz que le gouvernement de la République de Chine Taïwan a décidé d'octroyer à Fofolpou Haïti. Cependant, notre travail devient encore plus immense car selon les statistiques, 44% de la population équivalent de 4 350 000 personnes sont dans l'insécurité alimentaire aiguë en Haïti et ce chiffre va encore augmenter selon les études du CNSA. Le défi est grand et nous devons redoubler nos efforts. Mesdames et messieurs, nous entrons dans la 68e année de relations diplomatiques établies entre Taïwan et Haïti. 68 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, digne de la qualité ferme de sa croissance et forte de sa volonté, particulièrement marquée par une solidarité agissante sur la scène internationale et une coopération bilatérale dynamique dans un esprit de partenariat. Nous avons bâti l'une des alliances les plus robustes, les plus résilientes et les plus solides au monde en l'utilisant comme base solide sur laquelle bâtit un vaste réseau de liens humanitaires et sociaux. C'est ainsi, je m'engage, au nom du gouvernement et du peuple taïwanais, de continuer à approfondir notre partenariat avec Fofolpou qui contribue à améliorer le quotidien des Haïtiennes et Haïtiens les plus démunis. Dans deux semaines, les Taïwanais fêteront la nouvelle année du calendrier lunaire. Et l'année qui s'annonce sera l'année du dragon, qui symbolise l'énergie, l'audace et la créativité qui sont propices pour le changement. Nous souhaitons ainsi que cette année sera pour Haïti une année tournante qui nous sortira des difficultés que nous avons tous vécues et partagées ensemble. Je forme ainsi donc mes meilleurs voeux
d'une bonne année qui vous apportera beaucoup de succès, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Merci, Ambil.